Bonjour à tous et à toutes, ici Number. Aujourd'hui, on se retrouve pour une information très importante. Surtout, faites attention sur votre serveur, je ne sais pas comment ça va se passer. Il y a une map de buggée depuis la nouvelle mise à jour. Donc, je ne sais pas si vous êtes déjà passé par cette map ou pas. En tout cas, je sais que sur le serveur Goultar, c'est une map buggée. J'essaie avec 3 de mes persos, les 3 sont bloqués. Donc, surtout, faites vraiment attention à cette map. Je vais quand même envoyer un message en recrutement pour les gens qui vont sûrement voir le message. Mais c'est une map vraiment buggée, donc faites vraiment attention, ne passez surtout pas ici. Donc la map c'est ici, en 1.31. Moi je voulais y passer de base avec mon Eripsa pour pouvoir aller miner toute la zone ici, vu qu'il y a eu la nouvelle mage. Mais depuis, je suis passé sur la map. Nos personnages ne respawnent pas en fait. Vous passez la carte, mais ils respawnent pas. Et en fait, sur la carte, il n'y a rien. Vous pouvez pas envoyer de message. Votre canal il est bloqué et ensuite si vous vous déconnectez vous pourrez plus vous reconnecter à votre perso. Le compte vous pourrez y accéder, vous pourrez choisir vos personnages, mais dès que vous cliquerez sur celui-là, celui-ci ne marchera pas. Si vous voulez, je vais faire le test avec mon crâne. Toute mer, j'en ai déjà bloqué deux des persos là-bas, deux ou trois, je sais plus. Donc, avant, je vais juste envoyer un message à en quelque sorte la communauté Dofus. Surtout, faites vraiment, vraiment attention à cette map. Il doit y en avoir d'autres dans les serveurs. Faites vraiment attention parce que du moment que vous êtes bloqué là, vous pouvez contacter le support, mais je pense qu'il va à peu près y avoir 2 jours de délai avant qu'il puisse vous débloquer votre perso. Donc moi là, bah, il y a mon Eripsa qui est bloqué, mon Enutroph qui est bloqué, et là, bah, pour vous montrer, de toute façon, j'ai bloqué mon Kra. Mon Kra, je m'en fous, je joue jamais avec. Donc voilà, c'est juste pour vous prévenir et pour vous montrer ce que ça fait sur votre perso. Bon, on s'en fout, allez hop. Je vais juste donner un petit message. Donc, hop. N'allez pas sur la map. 1.30 ou 1.31? C'est 1.30, je crois, si je me rappelle bien. Non, 1.31. N'allez pas sur la map 1.31. Elle est buggée. Si vous y allez, bloquer votre perso. Ne pas tester. Déjà bloqué tous mes persos. Attention. Donc voilà, on envoie quand même un message aux gens. J'ai envoyé un mail au support et j'ai envoyé un mail à l'adresse officielle de Ankama. Je pense pas qu'ils vont me répondre. J'ai essayé d'appeler leur numéro, mais il est en allemand. Donc voilà, c'est un peu chaud, on va dire. Et donc voilà, je tiens quand même à prévenir tout le monde. Mais bon, je pense que très peu seront à m'écouter. Donc voilà, je vais quand même envoyer ça en guilde et en alliance. Les gars, s'il vous plaît, si vous voyez cette vidéo, surtout, vous pouvez essayer d'y aller. C'est possible que ça ne fasse pas ça sur tous les serveurs. Mais évitez vraiment d'y passer avec par exemple votre personnage principal. Vous pouvez essayer avec une mule ou même avec un perso que vous venez de créer, je m'en fous. Mais surtout faites pas ça avec votre perso principal parce qu'après il faudra le redébloquer. Et je pense pas qu'il y aura comment dire une personne qui sera là pour débloquer votre perso. Donc voilà, moi je pense là que je viens de perdre mon Eripsa, donc mon perso principal, et mon Enutroph, donc mon ancienne mule métier. Bien évidemment, les tous deux stuffés et mon Eripsa avec tous les camas dessus. Donc oui, je suis plutôt dégoûté. Hop, voilà. Bon, les gens ils savent pas trop. Je vais quand même vous montrer. Je vais aller bloquer mon crâne pour bien vous montrer que ça marche pas. Show 5.
Hop, voilà. Donc voilà. Je vais simplement vérifier un petit truc avant dans le bestiaire. Cochon. Ouais, le tutu est toujours drop up dessus, donc c'est bien ce que je pensais. Le tutu n'a pas changé, donc toutes les personnes qui disaient ouais après vous pourrez plus vous dropper votre turquoise dessus, eh ben je tiens à vous le dire, c'est du gros mytho, hein, parce que le tutu est toujours droppable. Sur le Shenmue aussi normalement, simplement que maintenant il doit y avoir une quête normalement. Donc on va regarder le Shenmue, voilà, tutu toujours droppable. Donc et j'ai même ah, j'ai l'impression que le taux a été augmenté sur les sur le drop du tutu. Attendez, on va peut-être juste l'insérer là, hop, on va le foutre en guilde, hop. Et ouais, il a bien été modifié, mais il est toujours droppable, les gars. Donc, pour ceux qui voulaient savoir, il est toujours droppable. Bon, on va aller bloquer mon crash, je vais bien vous montrer. Ah merde, j'ai pas le zap. Tant pis, on va aller à Macna, on va descendre à patte, c'est pas grave. Donc voilà, je vais bien vous montrer, surtout, pour ceux qui disaient ouais, j'en ai vu hein, même ce matin dans l'Alliance, ça disait ouais, la mage c'est de la merde. En soi-même, c'est pas vraiment de la merde, car je tiens quand même à vous préciser que ceci a bien relancé l'économie du serveur. Ben, de la plupart des serveurs, je sais que de Goultar ça l'a relancé, après du vôtre, je ne sais pas vraiment, donc je joue que sur Goultar. Sur Goultar ça l'a relancé, car par exemple, les galets avant, ils étaient quoi, à 100 000? Ce matin, je suis passé, ils étaient à plus de 300 000. Donc voilà. Les parchemins de sort sur notre serveur, ils étaient descendus, allez, 75 000, voire même 50 000. Et là, ils sont remontés à 250 000. Donc comme vous voyez, il y a eu une explosion des prix. Donc je sais pas du tout pourquoi tout ceci s'est passé en une nuit. Hier soir, j'ai regardé avant qu'il y ait la mage, donc vers, je sais plus, minuit, un truc comme ça. J'ai regardé les prix étaient toujours pareils. Et là, en regardant, en allant en HDV, vite fait voir. Ben, les prix ont explosé. Donc je sais pas ce qui s'est vraiment passé. Peut-être des gens juste avant la mage, ils ont fait de l'inter-serveur, donc ils en ont acheté masse. Style pour 100 ou 200 millions. C'est bien possible. Mais après, ouais, voilà. C'est tout. Donc là, on va pas tarder à arriver. Ouais, j'étais jamais venu ici avec mon cra, c'est normal. Ce boss, c'est un cra PVP. Hop, on va juste prendre la dé, on ira beaucoup plus vite. Ouais, donc voilà, je tiens quand même à vous le préciser, n'allez surtout pas sur cette map. Au cas où, si vous me croyez pas après qu'on peut pas se reconnecter dessus, je vais vous montrer, j'essaie de me reco sur mon perso, les persos sont, on peut pas y toucher. Donc voilà. Voilà. Ça me fait un peu chier, donc voilà. Vous avez tous les métiers du jeu. Personnes qui ont un peu du mal avec la nouvelle mise à jour, mais bon voilà les gars, franchement c'est moi ça me fait chier, et aussi d'un côté que qu'ils fassent en... on va plutôt dire préviens. Vous voyez les gens qui me croient pas. Essaye. Tu verras. Non, si tu découvres quoi, ça marche, je l'ai fait. Je ne suis pas responsable. On verra si... c'est quoi le nouveau succès? Non, ça on s'en fout. C'est peut-être à moi qui parlais, je ne sais pas, donc on va voir. Moi j'ai Décoreco, mais ça ne marchait pas. Donc vous verrez bien par vous-même. Je vais bientôt arriver. Ça bloque comment? C'est... Hop, c'est un peu chiant tout le temps d'expliquer à tout le monde. Ils verront bien, ils ont qu'à essayer, hein, d'un côté. Après, moi je veux pas. Je vais pas leur dire, ben, je leur dis de ne pas essayer, après s'ils ont envie, voilà, ça eux, ils bloqueront leur personnage tout seul. L'autre qui dit, moi je l'ai fait, j'ai des Coroco, je l'ai vu, son perso, je l'ai MP, il est bloqué dedans, là, il s'est juste construit un deuxième perso.
Je l'ai vu que je l'ajoute en ami, donc voilà. Ça sert à rien d'essayer de mytho. Surtout pour que les gens aillent se bloquer là-bas. Moi, je trouve que c'est vraiment inutile. Donc après, voilà. Je sais pas ce que je pourrais vous dire d'autre. Franchement, moi, ça me fait un peu chier. Hop, vous allez voir. On va se bloquer sur la carte. Je pense qu'il y en a plein qui vont venir essayer en se disant non, mais t'inquiète pas, ça marche, on verra bien. Il y a peut-être un nombre de persos bloqués limité, ouais, ils ont peut-être fait, non, je pense pas quand même qu'ils aient fait exprès de bloquer des personnes là-bas. Mais bon. Moi, j'ai envoyé un mail à Ankama. Donc maintenant, bah, j'attends leur réponse. Vous verrez, là, on arrive à la map. Donc voilà, vous voyez, déjà c'est pas celle-là, c'est juste en dessous. Regardez, il est là, le mec. C'est tout en bas, ça. Voilà, on va y passer. Et vous verrez, normalement, il est buggé. Voilà. Voilà, les gars, comme vous voyez, il n'y a plus de. Mon perso, il n'est plus là. Il n'est plus là. J'ai qu'à cliquer là, il n'y a plus de perso. Voilà, il n'y a plus du tout de perso. Donc voilà. On peut plus rien faire, même le PNJ qui était ici, ou là, ou ouais. Par là dans la zone, il y avait un PNJ, il est plus. Donc ils ont dû faire une mauvaise manip de codage quand ils ont fait leur truc. Et donc voilà. Voilà, tout le problème, il est là. Donc on peut plus rien faire. On est bloqué sur la carte. Donc voilà. Après, il conseille de déco-reco, on va essayer. Vous allez voir. Bon, tout ça, je m'en fous. Hop. Bon, je vois pas en quoi ça va vous aider. Ouais, comme vous voyez aussi, ça fait le sablier quand on se reco. Bon, c'est un peu chelou, mais bon, tant pis. Voilà, là, je vais me connecter sur mon INRIPSA. Ça, normalement, ça fait 50%. Une fois, moi, ça m'a bloqué à 50%, donc ça montait plus. Et une autre fois, ça m'a bloqué à 100% et ça ne montait plus non plus. Donc, vous allez voir. Normalement, c'est bloqué. Voilà. Donc là, je pense, au cas où, on va quand même attendre 2-3 minutes. Vous verrez bien. On y arrive, ça, il était dans la faille. Et voilà. Voilà ce que ça fait. Donc, je peux pas vous donner plus d'explications que ça, les gars. C'est un bug, donc surtout faites vraiment attention, n'allez surtout pas dans cette zone. Après, moi je dis ça pour vos persos, les miens attention ils sont déjà bloqués dedans, donc j'ai plus rien à perdre. Donc voilà, c'est tout ce que je peux vous dire les gars, portez-vous bien et à plus, c'était Number, surtout faites attention à vous, à plus.